19h passé 2 minutes sur Life Radio, comme tu l'entends, du lundi au vendredi, la team show des Calais sur la FM, voilà, pour vous distiller une belle, bonne ambiance radiophonique à travers des rubriques telles le show sans frein qu'on aura tout à l'heure, le show pas chaud à l'instant pendant la première heure qui a monté une belle interactivité avec nos auditeurs au 27 225 49 180 également sur la page Facebook de Life Radio et à présent c'est la seconde heure, nous sommes en compagnie, nous sommes, il est déjà là dans le studio, de Technique, le créateur, l'invité du grand show pour ce autre numéro de cette belle semaine qui finira demain, je vous le rappelle, notamment je le rappelle à Econ, voilà. La terre au grand. On fait des applaudissements pour Technique, le créateur. Voilà, il est avec nous. Dis-moi. Rapidement, une question me vient à l'esprit. Dans ton intro. D'accord, vas-y. Je peux lui poser la question. Vas-y, pose. Technique, le créateur, c'est combien d'albums aujourd'hui? Des 4, 5. Carrière solo, 4 albums. C'est que moi, j'ai plus d'albums que toi. Si. Il y a au moins 6 albums photo à la maison. Si on veut compter photo, tu peux t'en sortir. Bien envoyé. Merci, modérateur. Voilà, on peut commencer. Franchement, toi, modérateur, c'est 2, mais 5, il faut moins 50. Mais Technique, le créateur, n'aie pas peur. Rapproche-toi du micro. Voilà. Attends, Kevin, Technique a peur de micro. Voilà, mais c'est mon travail. Non, voilà ce qu'on va faire. Comme nous allons rentrer de plein pied dans le Zouglou et que notre artiste est également Zouglou, on va scouter, on va se remémorer Jean Roger, à qui on rend un vibrant hommage à travers son titre Respect. Zouglou Makers sur la radio et derrière, on échange avec Technique, le créateur, dans le grand show. Également, il faut rappeler que nous sommes en direct sur la page Facebook de Life Radio. Liferadio.ci. C'est la page Facebook. Et puis www.liferadio.ci, notre site internet, que vous téléchargez cadeau sur votre téléphone. Très bien. Ouais. Allez, on y va. Il est avec nous, Technique, le créateur. Applaudissements encore, Technique. Merci. Le créateur, Mangmu, Frumu, Dade, Diwani, Namurmu. Le show sans frein, la parade dédiée au modérateur de la modération de la modération des plus laboratoires supposés galériens, Mr. Abby. Voilà, Technique, le créateur, dans cette rubrique, modérateur règne en maître. Mm-hmm. Il fait ses sketchs, il fait ses devinettes, il fait ses acrostiches, il fait ce qu'il veut, il fait comme bon lui semble. Il fait ce qu'il veut. Ouais, si, vas-y. Si il veut, me lève et moi à la maison. Essaye, ton bâton est là. Ok, ici quand on dit Abby, on répond faut prendre ton tabouret. Okay. Technique, c'est bon? Ça va. Ok. Abby, faut prendre ton tabouret. Voilà, spécialement aujourd'hui, on va faire 2 devinettes pour toi. Mm-hmm. Voilà, tu es seul. Tu n'as que des suppléants qui peuvent t'aider avec quelques idées sans te donner la vraie réponse. Très bien. D'accord. Voilà, mais les suppléants, s'il vous plaît, on va doucement. On va commencer par là. Dis à Econ déjà. Ok. Tout à l'heure, on a dit Zouglou. Vous avez dit CI. Moi, j'ai dit VI. T'as dit pourquoi? Au fait, VI, vous devez être fier parce que VI, c'est vrai ivoirien. Mmh. C'est pas VI des VI là. Vrai ivoirien. Ça, c'est voilà. Pour ça qu'il y a ça langage qui est. Zouglou. VI. Mais t'as rien expliqué, ton frappé. Ok, d'accord. Habib a 4 chiens. Écoute très bien. Habib a 4 chiens. Le premier s'appelle Waf. Le deuxième s'appelle Walou. Le troisième s'appelle Waf. Quel est le nom du quatrième chien? T'as bien écouté? Le premier aujourd'hui en fait. Tu peux reprendre. Habib a 4 chiens. Ok. Le premier s'appelle Waf. Le deuxième s'appelle Walou. Le troisième s'appelle Waf. Quel est le nom du quatrième chien? Quel est le nom du quatrième chien? Technique fait un effort. C'est pas Sénégal. Non, fais un effort. Quel est le nom du quatrième chien? Quel est le nom du quatrième chien? Quel est le nom du quatrième chien? Faut pas chercher loin. Dès que tu commences à réfléchir loin net, c'est que tu vas jamais trouver. La réponse est dans la question posée. Sinon, quel est le nom du troisième chien? Le quatrième chien. Quel est son nom? Attends, je prends. Attends, c'est malin, ça te comprend. Habib a 4 chiens. Le premier s'appelle Waf. Le deuxième s'appelle Walou. Le troisième s'appelle Waf. Quel est le nom du quatrième chien? Je crois qu'on appelle Habib.
Écoute très bien la question. C'est le nom de ses chiens. Il a quatre chiens. Il a quatre chiens. Lui-même, il s'appelle Habib, c'est un homme. Il a quatre chiens. Premier s'appelle Waf. Deuxième s'appelle Walou. Le troisième s'appelle Waf. Quel est le nom du quatrième chien? C'est Waf. Non, allons doucement. Écoute très bien. Waoulou. Le créateur. Technique. Écoute très bien la question. Quel est le nom du quatrième chien? Bah, tu as cité trois. Oui. Mais écoute la fin. Il a cité le nom du quatrième chien aussi. C'est le chien même qui est propriétaire. Non. Le chien qui est propriétaire. On le sauve. Indice. Non, tu peux dire wow. Pitini. Écoute la question. La question c'est. Quand il avait dit waf pour le troisième chien, il a dit quel est le nom du quatrième chien? T'as vu comment il a mis la virgule là, non? Je vois pas, c'est là une question. Quel est le nom du quatrième chien? Moi, je suis mon frère. Non, attends. Sauve-moi. On a dit le nom des trois. Maintenant, pour terminer, on dit quel est le nom du quatrième chien? C'est quel là? Dis-le, faut répondre. Cal. Oh, bon, ok. Caniche. Bon, calmez-vous, je vais. Calmez-vous, je vais. Caniche. Bon, technique, suis-moi. Suis. La réponse se trouve dans la question. Mm-hmm. Quel est le nom du quatrième chien? En vérité, la question, mais c'est la réponse. Parce que quel est le nom du quatrième chien? En phrase affirmative, c'est quel qui est le nom du quatrième chien? Donc, le quatrième chien s'appelle quel? Quel, c'est ce que je t'ai dit. Mais toi, t'as envie de cerveau, ça va se faire. Donc là maintenant, le gars, comme tu n'as pas trouvé, tu vas piocher ici ta punition. D'accord. Ne pouvez pas des mains innocentes. Non, lui mais va piocher. Les mains sont très innocentes. Ah ouais. Pioche. Voilà, et tu m'étonnes. Ricky. On lave toutes les mains en tout cas. Oli. Ricky, t'es mon frère. T'es mon frère. Ricky, il est guéri. Tu viens de... Il vient d'où? Après ça, tu as fait ça. Tu sais que c'est pas ton frère. D'accord. Ah ouais, okay. On dit non, là c'est facile, hein, franchement. T'es le créateur, donc c'est facile pour toi. Il doit faire quoi? On dit chante l'une de tes chansons sans séparer tes dents. Vous voyez, dents pour bravo à Technique, le créateur. Moi, j'ai vu sa souffrance. J'ai mieux de s'arrêter là. Faut prendre ton tabouret. Voilà. C'était le chausson avec le modérateur. Modérateur, si toi, tu es un enfant. Avec tout ça, là, tu veux continuer. Tu vas te prendre une gauche là. Voilà. Alors, on va écouter Zizani de Technique, le créateur, qui est l'invité du grand show. C'est pas mon chien. Et puis vous, S'ouvrez. Non, les gars, ils mettent pas les paroles. Moi, c'est pas. Ils savent pas. Mais là, vous là, 1, 2, 3, vous êtes obligé de parler dans ma chanson. Peut-être qu'ils chantent pas. Ah, d'accord, excusez-moi beaucoup. Ok. Excusez-moi beaucoup, franchement. Excusez-moi beaucoup. Allez, nous sommes accompagnés de Technique, le créateur. Ah, vous êtes là, monsieur? Ah, d'accord, ça fait plaisir de vous retrouver. Technique, le créateur, rebonsoir. Bonsoir, frère. Bon, franchement, moi, inutile de toujours parler de la bio. Nanana. On sait qui tu es, ce que tu vaux dans la sphère musicale en Côte d'Ivoire, dans l'industrie musicale même. Que nous vaut l'honneur de cette visite, parce que je t'ai reçu, enfin, on nous t'avons reçu il n'y a pas longtemps, dans cette même émission, dans cette même chaise. Mm-hmm. Et là, tu as jugé bon de revenir. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens pourquoi? Déjà, ça veut dire que j'ai aimé l'émission. Vous dit qu'il fallait que je passe pour venir dire merci. Okay. Voilà, parce que vous faites beaucoup pour
les actrices. Super. Voilà, il faut passer ce bon pour dire merci. Ah, d'accord. C'est vraiment gentil. Donc, voilà, donc ça, franchement. C'est la première nouvelle. Hein. Ah, la première nouvelle. Bon, Ecode, modérateur, Ricky, Guy Pacom Soumian, il a fini de dire merci. Mm-hmm. On va leur accompagner. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez leur accompagner? Non, oui, oui. Ah, ah, ok. Ah, okay. Donc, si c'est merci, là, l'émission là, s'arrêtait là. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, la deuxième nouvelle. Deuxième nouvelle, et celui-là, il y a eu quand même l'émission là. Très bonne nouvelle. C'est bien. J'aimerais te demander technique, autant pour moi. Technique, mmh. Créateur, ouais. C'est quoi ton regard? Tu sais quand nous avons perdu un grand monsieur, mmh. Alan Bill de Souza. Ouais. Je lui ai dit, est-ce que tu as vécu quelque chose de particulier avec lui? Une petite anecdote? Ou qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce grand monsieur du Zouglou, l'un des Doya? Je garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs que je ne peux même pas expliquer parce que c'est le grand frère qu'on a suivi et puis on est ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. Je n'ai même pas encore fini de digérer même là. La mode à Alan Bill. Ouais. Là, c'est, il ne sait même pas quoi expliquer parce que c'est un doya. Un doyen reste toujours un doyen. Mm-hmm. Grâce à eux, on est ce qu'on est aujourd'hui. Donc, déjà, on vient de perdre quelqu'un vraiment qui nous coûte très cher, okay. Dans le milieu. Donc, voilà un peu la formation et tout que je garde de lui. Mm-hmm. La formation, voilà. Il n'y a pas eu un petit poteau quelque part? Non, les mais poteaux. Il y a beaucoup de petits poteaux. Les poteaux, il y en a chaque jour, ça ne peut jamais finir. OK. Voilà, en même temps, c'est formation pour nous. Hein. Ouais, si, si. Quand tu vas dans l'armée, là, le gars qui te fatigue et tout, mm-hmm. Il décide, il sort. Bisoutage, ouais, ouais. Là, tu es commissaire. Mm-hmm. Lui qui a été fatigué, là, quand il sort, là. Ils ont pardon. Lui qui sort, il devient patron. Mm-hmm. Mais quand il voit le gars, là, il est d'accord avec c'est lui. C'est ça. Il voit que c'était formation. C'était la formation. Voilà, là, ouais. C'est la formation. Donc, voilà un peu, quoi. D'accord. Tu as dit quoi là? Mais il y a un qui soupe depuis la fin. Vas-y. Ouais, tout à l'heure on a écouté Respect, où j'étais en train de chanter, il y a quoi dedans et vous m'en voulez. Moi je voulais demander dans le Zouglou là, qui t'en voulait autant que ça? Mais c'était pas sa chanson. Je sais que c'est pas sa chanson, mais qui t'en voulait dans le Zouglou? C'est pas ma chanson, mais c'est toi-même qui m'en veux. Souvent, non mais dans les débuts dans le Zouglou là, tu t'es dit, il clashait les gens. Vous voulez mes chansons? Vous ne me respectez pas. Mais c'est moi qui suis le créateur. C'est moi qui dis tout. Parler de ça et puis il y a quoi dedans que le monsieur a fait le château. C'est même tout, gars. C'est ça, oui, oui. C'est même bon. Déjà, c'est. Mm-hmm. C'est ça le Zouglou, on a notre base. Yeah. Mm. Et les 10, c'est qu'on ressent que les autres ne peuvent pas. Mm-hmm. Donc, on passe directement dans la chanson pour pouvoir mieux s'exprimer, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Quand ils sont en train de chanter qu'ils ont volé tant. Ça vient de quelqu'un. Mm-hmm. Déjà, ils ont volé là. Il a parlé de Manu Dibango. C'est en parabole. Michael Jackson. C'est ça. Ah ouais, d'accord. C'est en parabole. Il faut expliquer un peu l'histoire. Je sais pas si tu comprends. Non, non, moi, comment Manu Dibango et Michael Jackson. Mm-hmm. Manu Dibango dit Michael a volé sa chanson. Ici. Ce matin, moi, je suis venu vous expliquer. Voilà. Explique-nous. Manu Dibango dit c'est lui le vrai propriétaire. Il a volé ma chanson, c'est pas comme ça, on chante. Nous c'est nous ça, maman Kossa. Nous c'est nous ça, maman Kossa. Dans ton inspiration, tu vas beau composer. Il y a toujours quelqu'un qui dit c'est lui le vrai propriétaire. Il a volé ma chanson, c'est pas comme ça, on chante. L'RTI a un reportage à Walebo Kwasi Kro. On voit Renati sans jeep, sans oublier sa guitare, paire de chaussettes jusqu'au genou. Mais ne vous trompez pas, oh. C'est Sidon le tigre, le mari de la tigresse. Y'a qui se rend bien, vieux fouet, Koundé à Bobolier. Y'a qui se rend bien, vieux fouet. Ça, c'est un Maoulé. Il a bien compris la bande. Bon, il a dit quoi, Maoulé? Il dit laisse chanson des gens. Arrête de voler. Mais pourquoi tu termines pas? Maintenant, la chute, c'est. Dans son inspiration, mais quand là, beaucoup composé. Manu Dibango dit c'est lui le vrai propriétaire. Il a volé ma chanson. C'est pas comme ça on chante. Du coup c'est nous ça maman comme ça. Du coup c'est nous ça maman comme ça. Du coup c'est nous ça. Pas remarqué. L'invité c'est Pitili avec qui nous allons passer un super bon moment. On va écouter. J'ai bien démarré. C'est un but de langage. Attends voilà merci frérot. Attends mais tu crées quoi? Je crée, c'est-à-dire? Non, technique le créateur. Tu es le créateur de quoi? Tu bon, crées le créateur parce que quand je chantais avec les plus grands de mon âge, c'est là le featuring, il est sorti. Hein. Okay. Et on avait la facilité de créer facilement des chansons et tout. C'est là le créateur est sorti. C'est pas le créateur Dieu. Là. Ah, d'accord.
D'accord. À n'importe quel moment, à n'importe quel moment, tu crées. Voilà, ça, c'est quand j'étais jeune. Ah, là, donc maintenant, tu peux agir. Tu n'as plus comme ça. Maintenant, on fait réserve. Tu as quel âge? 50, 60 ans? Ça dépend de toi. Ça... La question que tu poses là, ça dépend de toi. Le vrai qui bolo. Ouais. Ok, je pense qu'on va se quitter Bintou, hein. C'est mieux pour nous tous. Ouais. Joey, à l'instant, sur... Non, je ne chantais pas, je savais que je... Non, je ne chantais pas. Joey, sur la radio, extrait justement du tout dernier album de Technique, Le Créateur. Mmh. L'album est disponible sur toutes les plateformes. L'album également, Moisson. On fait de manière physique, l'album quoi? Moisson. Moisson, voilà, si, merci. Allez, la suite, c'est maintenant. Et quand ça va, toi? Ça va. Franchement, okay. je me préoccupe non, mais de je ton sais que état. Ouais, okay. C'est gentil. Le grand show. Le show. Le grand show, se poursuit avec Technique, le créateur, Mr. Technique. Voilà, donc de retour de l'Europe juste après une belle tournée. Mm-hmm. Il est en Côte d'Ivoire, il est à Abidjan, voilà son premier média, sa première sortie radiophonique, médiatique. C'est bien sûr dans le grand show, ici même à Life Radio, la 107.7 comme tu l'entends. Et Technique, actualité musicale scénique, ça sera le 21 juillet du côté de l'internat à Yopougon. Gros coucou à Aimé Zébier, voilà. Et derrière, après l'internat, on devrait s'attendre à toi où encore? Déjà, nous sommes en train de préparer le concert. Le concert, ok, qui est prévu pour... Là, on ne va pas donner une date. Ah, d'accord. Voilà. Nous sommes en train de préparer. Quand ça va être prêt, pense Technique, que créateur, allez en mode préparation de son concert. Ah, ça sera la première fois que tu affrontes, ça sera au Palais de la Culture, la 4000 Pas forcément Palais de la Culture, mais le grand concert à Technique, le créateur. Ça arrive, en tout cas, quand ce sera prêt. Ça sera au Sofitel de l'Hôtel Ivoire. Ça peut être n'importe où, mais ce que tu cherches, tu ne vas pas avoir. Ok, d'accord. Au Yélam, ça traite Ville. Il faut quitter. Justement, au parc des expositions, qu'est-ce que tu penses justement de ce gros rendez-vous que Yabongo donne aux Zouglumen le 7 septembre prochain au parc des expositions? Ben, je pense que c'est une très bonne chose. Ok. Parce que depuis, il faut exploiter ce coin-là aussi pour montrer à tout le monde que nous avons les espaces. Okay. Pas forcément là-bas, il y a plusieurs coins encore hein, que les Ivoiriens ne savent même pas. Même dans même 13 villes, là, on a des grandes salles. Hein. Ici, il y a les Elams. Merci. Donc, il y a plein de salles à exploiter. Donc, déjà avec un Zouglou là-bas, c'est déjà quelque chose de. Tu penses justement que le Zouglou peut remplir le parc des expositions? Même le stade Félix Weboy. Ok. Oui. Technique, le créateur dit les Zougloumen, enfin les artistes Zouglou peuvent remplir, l'un des artistes de la sphère Zouglou peut remplir. Le stade Félix Weboy. Pourquoi pas? Donc, le parc des expositions, c'est tout bénef, quoi. Oui, c'est pour les Ivoiriens. Et puis, je pense que ce n'est pas forcément le Zouglou. Hein, ça fait plaisir à tous les actifs du Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà, il faut que quelqu'un essaie et puis tout le monde va arriver là-bas. Ah, donc Yabongolo va essayer. Ouais. Et si c'est bon, là, vous suivez. Si c'est pas bon, on va suivre. Déjà, le fait d'aller là-bas. Ok, ouais, c'est un garçon. C'est un monsieur. D'accord. Ricky? En fait, depuis là, je veux poser la question. Tu sais, quand tu écoutes les chansons de Fitini, on entend beaucoup les blagues. Technique, le créateur. Technique. Hey, Technique, le créateur. Quand on écoute les chansons de Technique, le créateur, on entend beaucoup des blagues. Est-ce que dans le passé, tu n'étais pas humoriste? Ou bien tu n'as jamais songé à te pencher un peu vers l'humour en faisant du Zouglou? Vous savez, l'humour, c'est le travail des gens. Hein. Voilà. Oui, c'est notre travail. Voilà, merci. T'assois avec des amis, fais rire. Et puis vite, arrêter devant les gens, les faire rire. C'est différent. Ouais, c'est pas la même chose. Moi, déjà, pourquoi je suis passé par l'humour? Parce que je me dis, avec l'humour, ça passe facilement. Ok. Le gars, il rit, mais il sait que tu es en train de lui dire la vérité. Voilà, donc voilà comment je suis passé dans l'humour. Sinon, être humoriste, bon, peut-être mes amis qui sont dehors, qu'on a assis ensemble, raconter des histoires. Ouais. Mais venir devant les gens, comme toi, comme ça, un humoriste, ça. C'est pas pareil, mais en musique, voilà, avec la chanson, ça passe. Voilà, Comme tu l'as dit, en musique, ça passe. Tu n'as jamais eu de problème avec un régime ici en Côte d'Ivoire? Jamais. Parce que je vais dire jamais. Il y a des problèmes de personnes qui n'ont rien à voir avec le régime. Ou un parti politique? Mais, non, pas du tout. D'accord. Ricky? Alors, on sait, le créateur, il a toutes les techniques hein, pour intervenir aussi les chansons. Donc, ce qu'on va faire là, on va te mettre l'instrumental ou l'instrumental de l'une de tes chansons sur le nouvel album Moisson. Moisson, et puis, tu vas nous chanter les paroles de Tout Mignon. Et
C'est le défi qu'il a en fait. Tu as écouté le défi. D'accord, on y va. Tu es mon frère. Allez, donc j'ai fait ça doucement pour toi. C'est possible? Maman, t'as eu avec qui? Elle m'a eu à l'ouest là-bas. On verra bien. Allez, continue sur cette chanson avec tout mignon. Yeah. Ils se croyaient mignons, oh, tout mignons, et ils pensaient qu'ils étaient mignons. Oh. Ils se parlaient bien, oh, et ils se disaient tout mignons. Oh. Vraiment mignons, oh, tout mignons, ils pensaient qu'ils étaient mignons, tout mignons. Oh. Ils étaient mignons, oh. Y'a pas pour le chef. Ils se croyaient mignons, tout mignon, vraiment mignon, ah, oh. Tout mignon, 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 vraiment mignon, ah, hey. Y avait pas pour le chef, au cousin le balafré, non, tonton là, j'ai pas dit non de quelqu'un. Arrivé au zoo, ils ont commencé à visiter, oh. On a croisé un lion. Mon cousin vient dans mes bras, oh. Cousin balafré, pardon, vient dans mes bras. Quand tu étais petit, tu habitais ici, tu mangeais chez nous. Et puis tu t'es lavé là-bas, faut pas nous oublier, oh. Au nom de Dieu, t'es vraiment mignon, ah, oh, oh, oh. Waouh, applaudissements. Moi j'ai attendu la partie là, il est tout mignon, et Dissimus. Non, ça c'est passé là. Tout mignon, vraiment mignon, ah, oh. Tout mignon, vraiment mignon, ah, oh. C'est la chanson, ça rentre. Mais vas-y. Non, on parlait de tout mignon. Tu sais qu'il y a eu le son, tout mignon fait mal sur TikTok en ce moment, non? Oui, oui. Oui, par un jeune Togolais du nom de Ayam. Attends, viens, j'étais un coup d'œil. Oui, par exemple, Ayam Isidore. Ayam Isidore, sois salué. Sois salué. Pardon, Ricky, il nous reste quelques petites minutes. Faut que tu fasses le truc là. Où tu donnes les titres là et puis faire la capilla sec là. La capilla chaud. La capilla chaud. Dans l'école ivoirienne. Je n'ai fait la capella une partie. Le refrain. Que ce soit le refrain ou une partie. Un antisme content avec Dieu. Maintenant, il n'y a plus bon chanteur. Moi, avant d'être chanteur, Seigneur Miel qui est bon. Abidjan Dieu. Mi quoi Abidjan oh. Baba et mi quoi Abidjan oh. Abidjan oh. Un jour au plateau, le même perroquet qu'il avait remarqué, le perroquet lui dit Décoller. On voulait s'aimer, Marabouta, j'ai tout gâté. Actuellement, nous sommes collés. Ça paradis, les joies, t'es oublié. Gara, on se les fois, même s'ils ont 3 étoiles cette année. Si vous voulez, cherchez nos femmes, plus que c'est votre travail. Ça fait rien. Si elles ne veulent pas. Même on est là. Ah, elle a répondu. Pourquoi là? Exemple, ça faisait quoi là? C'est quel bateau ça là? C'est le bobo quoi là? On dirait quoi là-bas? C'est le bobo quoi là-bas? Bon, ouais, quelque chose. Zizani. Merci. De l'eau vient pas chez nous. On a qu'un seul ventilateur, mais les factures vont nous étrangler. Continuez de casser nos magasins pour construire vos magasins. On ne peut pas louer. Ils nous ont dit demande de caution. Propriétaire, il s'en fout. Gouvernement n'a pas construit ma maison. Zagreba. C'est discati. Zagreba. C'est discati. Zagreba. Bintou, c'est la dernière. Bintou. 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 Maman Bintou là, elle n'est pas vraie. Chauffer. Voilà, technique créateur, malheureusement on a fini. Hein. Merci. Tu vois que c'était fini là. Trop vite parti. Ouais.
L'actualité de Technique, c'est bien sûr l'album Moisson, l'album sur lequel il y a Côte de la Route, qu'on va écouter tout à l'heure pour boucler. Jewe, Zizani, Mangmu. Mangmu. Également, actualité scénique ce 21 juillet à l'internat. On ira t'applaudir justement. Les gars, malheureusement, on a fini. On se dit à demain. Malheureusement, à demain, on sera là. Modérateur, à demain. Même fréquence. Ricky, à demain. Pour les shows. D'accord, n'oubliez pas juste après. Redis-moi, Econ à demain. Econ à demain. La même bande. Bah, yeah. Chacun a signé à vue. Suis bien. On reprend. Modérateur à demain. Même fréquence. Ricky à demain. Pour le show. Econ à demain. Même bande. Qui va comment à demain? Oui, à demain. Attends, fini, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Technique. Oui, t'as vu, c'est toi, tu m'as trompé. Technique. 2000. Tiens. Technique, tu reviens quand tu veux, comme tu veux. Merci. Mais pas merci. Demain. Ah oui, merci. Ouais, mais pas demain. Tu veux pas demain. Merci. Non, c'est rien, merci à toi. Donc, tu attends le dimanche 21. Ouais, il y a pas de souci. Chers auditeurs de la 107.7, n'oubliez pas juste après nous, belle ambiance, belle séquence, belle sélection rumba sur la radio pour les amoureux de musique d'Afrique centrale. Allons se dire au revoir avec Côte de la Route, extrait de l'album Moisson. Technique, le créateur, applaudissements.